この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour jouer à Wipeout 3, l'édition un peu définitive, la Special Edition on va dire. Le dernier des Wipeout sorti sur la première console de Sony, puis qu'après on passera au Wipeout Fusion sur la PlayStation 2, dont vous avez déjà eu le test il y a pas mal de temps déjà, et même un let's play sur une bonne partie du jeu, hein, voire carrément pratiquement jusqu'à la fin. Donc c'est parti, on va un peu voir cette version, hein, comparer un petit peu avec la version PS2 et les premières versions du jeu qui étaient sorties, je rappelle, sur PlayStation et Saturn. Donc on a un mode course individuel, on a un contrôle à montre, on a un mode défi, on a un mode tournoi, un mode deux joueurs, et on va aller voir directement les options. On a par exemple configuration de la partie, affichage jeu externe, on peut choisir le nombre d'adversaires, d'ailleurs on va mettre au maximum. On peut choisir d'activer les armes ou les points de contrôle, ce que nous allons faire aussi. Le nom par défaut, donc si on veut on peut changer le nom, on va s'appeler par exemple... Alors c'est compliqué avec les écritures de Wipeout 3 puisque comme vous pouvez le voir là, c'est un style, on aime ou on n'aime pas. Et il faut avouer qu'ils ont fait exprès de faire leur propre police d'écriture. Voilà, on va faire quitter et sortie, on va faire oui. Configuration maître, on peut configurer le son, donc le volume de la musique. Je vais le baisser un tout petit peu. On va faire piste random, oui, pourquoi pas. Alors je pense qu'il y aura beaucoup de copyright, hein, comme d'habitude, c'est très courant sur les jeux Wipeout. C'est qu'en gros, il y a une bande son derrière qui est une bande son des fois étudiée vraiment pour le jeu. Et du coup, c'est bon, de là, c'est ce qui rend la bande son en général assez énorme. C'est toujours des sons assez sympas. Et c'est des musiques qui deviennent connues à force, donc souvent elles ont tendance à être copyrightées derrière. Alors, on a un mode de joueur, ce que nous n'allons pas faire aujourd'hui, on a un mode tournoi, un mode défi, un mode contre la montre, course individuelle. Je vous propose de commencer directement par une course individuelle. On a le mode Wipeout League ou la Classic League.
Alors je ne sais pas du tout la différence concrètement, on va découvrir ensemble. Je n'ai jamais joué au jeu si ce n'est la version démo qu'il y avait sur le Winter Release de 99. C'était une démo, c'est des démos comme vous aviez à l'époque et qui permettaient de jouer à des brides de jeux. Et notamment la Winter Release, il y avait Crash Team Racing. D'ailleurs à l'époque c'est pour ça que j'avais beaucoup joué à celui-là et j'avais testé un petit peu Wipeout 3. Mais j'ai pas beaucoup de souvenirs et c'était surtout à l'époque très très dur pour un côté gamin en fait de jouer à ce jeu parce que c'est un maniement particulier les Wipeout, faut vraiment s'entraîner pour y arriver. Alors on a trois classes. On a la classe Vector, Venom et Rapier. En fait c'est des normes de vitesse concrètement. Vector c'est le plus lent, Venom c'est moyen, Rapier c'est le plus rapide. Et parfois on a même des modes de jeu. Je sais pas si on peut le débloquer dans celui-là, mais peut-être même un quatrième mode qui est encore plus rapide. Donc du coup, là on va prendre le mode pour le moment Venom, pourquoi pas. Qui est le mode normalement, normal. Et on a plusieurs pistes. Donc on a le Talon Reach, le Ultima 7, on a le Sagarmatha et le Phoenicia Park. Voilà ce qu'on a. Je pense qu'ils sont tous disponibles. Enfin, j'ai l'impression qu'on peut tous les utiliser. On va prendre par exemple Ultima 7. Et là, évidemment, on va pouvoir choisir nos vaisseaux. Alors les vaisseaux ont la particularité souvent d'être plus ou moins les mêmes, enfin en tout cas les mêmes teams. Entre les Wipeout, des fois il y a quelques variantes avec des teams qui apparaissent et qui disparaissent. Mais par exemple, le Phasar, c'est le plus connu, hein. C'est celui qui fait en général la mention des Wipeout. Mais on a aussi voilà, le Goteki, Oricom, qui ont des formes particulières. On a le Piranha, voilà. Et chaque vaisseau a sa particularité. On peut voir par exemple que le Phasar, bon, il a par exemple 6 en propulsion, un bouclier à 1, maniement à 4, enfin 4 de maniement, 4 de bouclier, vitesse à 1, donc c'est le plus lent, concrètement, on voit les graphiques. Mais par exemple, il va avoir un bouclier à 4, ce qui fait qu'il va pouvoir mieux tourner, et par contre en propulsion, il va être pas mal. Lui, on a celui-là qui a l'air un peu plus homogène, par exemple, le Goteki. L'Oricom, lui, par exemple, est tout pareil, donc 3-3-3 partout, donc ça c'est le plus homogène du lot. On a le Piranha qui par exemple va être un peu plus rapide mais avec moins de propulsion. Et pour l'instant on n'a que 4 vaisseaux. Alors on va prendre par exemple l'Oricom. Et on va charger du coup la partie. Les souvenirs que j'ai de ce jeu, enfin en tout cas c'était surtout dans un livre d'astuces, il montrait un peu les circuits. Et c'est parti. Alors c'est un jeu qui met, on va pas dire à mal la console, mais en tout cas qui la pousse dans ses retranchements. Évidemment, la vue que vous avez là, c'est une vue légèrement scalée, on va dire, mais j'ai fait en sorte de respecter un peu comme était le jeu avant. Voilà, donc il y a quand même très très peu de différence, si ce n'est que évidemment vous n'êtes pas sur un écran CRT. Donc, qui dit pas écran CRT, dit... voilà, c'est bon pour utiliser, j'ai utilisé le séisme. Je l'expliquerai un petit peu après pour ceux qui ne connaissent pas le Wipeout, évidemment, je fais un petit retour à ce niveau-là. Donc voilà, essayez de respecter le plus possible le jeu dans sa forme quasi originale. Donc donc c'est une course de vaisseau, vous l'aurez compris. Et surtout, c'est un petit peu à la F-Zero. Alors c'était très critiqué à l'époque, puisque Zero était quand même un des précurseurs dans ce style de jeu. Et la série Wipeout était considérée comme un F-Zero rebadgé, simplement. Mais la série des Wipeout est quand même excellente et elle a quand même ses particularités par rapport à la version du jeu Nintendo. Là par exemple j'ai posé des mines, là je peux envoyer encore un petit séisme. On a un bouclier, alors je crois que la valeur du bouclier elle est à droite. En haut, vous pouvez voir du coup l'arme sélectionnée. Alors, je ne connais pas encore à quoi correspondent chaque symbole, ceux qu'ils ont changé par rapport à d'autres Wipeout. Là, par exemple, j'ai lancé l'autopilote, donc ça a conduit à ma place. Je peux avoir donc comme vous avez vu tout à l'heure, le séisme. C'est une sorte de vague qui va traverser tout le circuit. Je peux normalement l'envoyer en arrière. Non, là, ça l'envoie qu'en avant. Là, j'ai un petit missile. Et là, je crois que c'est un missile... Non, ça c'est encore autopilote. Je connais pas encore toutes les armes. Et évidemment, le but c'est de finir premier. Alors je ne sais pas si dans cette version, on va le découvrir un petit peu ensemble, si le fait par exemple de démolir des vaisseaux nous fait gagner des points. En termes de graphisme, vraiment, enfin je redis même à l'heure actuelle, même si évidemment ça a beaucoup vieilli,
c'est quand même un des jeux, enfin c'est un jeu qui reste magnifique pour la PlayStation. On a un framerate qui est très très bon, on a des décors qui sont très très propres, on a un effet de vitesse qui est aussi fort appréciable. Et on peut changer de vue, regardez, je peux mettre en vue intérieur. Et surtout, regardez, je peux mettre en vue cockpit, ça c'est pas mal. On n'avait pas cette vue sur la version Reboot Fusion, je l'ai un petit peu critiqué à ce niveau-là d'ailleurs, sur la version PS2. C'est un petit peu dommage parce que là on a vraiment, voilà, on a vraiment l'impression d'être dans le vaisseau, c'est quand même super bien fait. Alors là je me plante. Bon, pour le moment j'ai pas de problème, on est devant, tout se passe bien. Alors faut appuyer sur rond hein, pour envoyer les items qu'on ramasse par terre. On est encore avec l'autopilot. Et vous pouvez voir qu'on a un checkpoint par contre, ce qu'on n'avait pas forcément par exemple dans le Reboot Fusion. Et les checkpoints, ça a tendance à rendre le jeu vraiment vraiment très difficile. J'ai fait 1-1 dans le dernier tour, donc on s'est un petit peu amélioré. Vous voyez quand même les vaisseaux, bon, on est sur 32 bits évidemment, hein, mais tout ce qui est technique dans les wipeouts en général est très très bien réussi. Même quand on est passé sur PS2, PS3, à chaque fois c'était une tuerie en tous les cas pour la console sur le moment. Alors vous voyez par contre ce qui est dommage, c'est que là, enfin c'est pas dommage, mais c'est super bien fait, c'est qu'on se dit on va rentrer le nom. Et du coup, il va falloir se retaper à chaque fois, écrire les lettres. Mais en fait, non, il a retenu d'autres noms. Ce qui fait que si j'appuie sur X tout le temps, voilà, il va juste écrire mon nom à la suite. On peut visualiser le ralenti. Vous allez voir là. Avec la petite voix sympathique du départ. Donc là, il y a par exemple 12 vaisseaux contre nous, enfin 11 vaisseaux du coup contre nous. Ce qui est pas mal, c'est plutôt un nombre conséquent. Quand on rappelle que beaucoup de jeux à l'époque, comme les Gran Turismo, même les Crash, etc., avec seulement 8 ou 6 véhicules en tout sur le circuit, là quand même, il y a un nombre assez sympa. Et évidemment, les musiques un peu style techno derrière aussi. On va faire quitter la partie. Non, on va pas faire. Bah si, on va faire oui. Je vous propose de faire carrément... On va prendre par exemple une course individuelle. On va prendre toujours en mode classique. On va prendre par exemple un rapier qui normalement est le plus rapide. On va changer de circuit. On va prendre par exemple le parc Phénicia. Et on va changer. On va prendre par exemple... pourquoi pas le... Allez, le Piranha. Pourquoi pas. Alors on peut faire un super départ, il faut vraiment prendre en compte le moment où elle va dire go. Ça nous permet de gagner un peu de vitesse à l'accélération. Voilà, je suis complètement sorti. Alors, je vous ai pas parlé un petit peu du maniement en tant que tel. Donc gauche-droite, évidemment, on tourne. Alors là, je peux lui traîner son énergie, d'ailleurs, vous allez voir. Le maniement, donc gauche-droite pour tourner, on accélère avec la croix, on freine. Alors attention, là, c'est où c'est particulier. C'est qu'en fait, on a des aérofreins, ce qui fait que on peut freiner normalement à gauche ou à droite en utilisant le volet de gauche ou le volet de droite pour ralentir comme dans un avion en fait. Hein, on va ouvrir des flaps. Et le fait d'utiliser les flaps, ça nous permet, j'arrive pas, de ralentir. Ah ouais, je draine son énergie un petit peu, ça va me remonter mon bouclier. Là j'ai utilisé les viciles, c'est parfait. Alors j'ai un petit peu de mal à comprendre le système de freinage. Je sais pas si c'est sur R1 ou L1, on essaie de revoir les combos en touche. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis crashé. Et je n'avais pas assez d'armure, donc en gros j'abandonne la partie cash. Hein. Tout va bien, c'est ça que ce jeu est ultra punitif. Là c'est fini. Faut que je recommence la course si je veux réussir. On va faire quitter la partie. Donc on peut, voilà, avec les aérofreins on peut freiner, on peut faire piquer le nez vers l'avant ou vers l'arrière légèrement. On peut donc accélérer, utiliser les armes, mettre la vue arrière pour des fois envoyer des choses en arrière, mais c'est tout. Pas plus que ça, mais c'est le principal, j'ai envie de dire. Donc on peut faire un mode tournoi, mais juste avant je vais faire une course individuelle en mode wipeout. En mode Venom, je pense que c'est le plus sympa. On va prendre par exemple le Porto Cora. On va changer, on va prendre avec un peu plus de bouclier peut-être, ça sera peut-être plus intéressant. On va prendre le Phaser, le vaisseau quasiment de base.
Je me demande si ce circuit ne faisait pas partie de la démo d'ailleurs. Vous avez vu? Alors je sais pas comment je pourrais vous montrer ça, mais vous allez voir en ligne droite, quand je vais appuyer sur les touches L2 et R2, le vaisseau va... Aïe! Attention, on s'est pris tous les... On s'est pris toutes les mines. Là c'est encore des mines normalement que je vais poser. Voilà, vous voyez, je pose des mines sur le côté. Oui, je vais appuyer sur le côté et ça va me faire... En fait, ce qui se passe quand j'utilise l'aérofrein d'un côté ou de l'autre, ça va en fait forcer le vaisseau à légèrement dévier à droite ou à gauche. Et des fois, ça peut nous permettre de négocier un peu mieux les virages. Là, on a la roquette. Alors, il dit en fait les éléments qu'on a, mais des fois, j'ai du mal à comprendre ce qu'ils disent avec la musique ou ce genre. Voilà, on a les roquettes, c'est parfait, on l'a touché. Alors... Vous voyez là je peux augmenter, enfin je peux baisser légèrement ou monter le nez. Ça permet des fois de prendre un peu de vitesse ou dans certaines portions. Là j'ai posé des mines mais ils en avaient justement des mines, ils avaient un bouclier. Et là ici si je vais dans les stands en fait je recharge mon bouclier. Alors ça fait perdre un petit peu de temps évidemment parce qu'on sort de la ligne droite. Donc l'intérêt c'est quand même de le prendre parfois quand vous êtes en position critique. Et c'est un peu stratégique parce que des fois on peut se dire bon bah là je vais essayer de pas m'arrêter pour rester devant mais avec le risque bah, de se faire démolir hein, complètement. Et on l'a touché, c'est parfait. Et par contre voilà, petit défaut du jeu qui a été corrigé d'ailleurs dans plus ou moins dans Wipeout Fusion, c'est le fait que quand il y en a un qui se plante devant nous, bah, on est vraiment... Mince, je me suis trompé, on est vraiment bloqué. Et là j'en retiens un petit peu. Avec le frein, je vais envoyer des mines comme ça derrière pour pas trop me toucher. Et du coup on gagne la course. Ah non, position 6. Ah ah, j'ai fini que 6ème, je pensais que j'étais premier. Et en fait on est loin. Assez loin. Donc voilà, je peux prendre la décision de m'arrêter ou d'aller de faire la course sans m'arrêter, mais ça sous-entend évidemment de pas trop se faire attaquer par les IA et ne pas trop taper les murs puisque le bouclier bah, au fur et à mesure ça menuise. Et comme vous l'avez pu le voir tout à l'heure, si le bouclier, si notre vaisseau est totalement détruit, c'est l'abandon. Alors à voir si dans la version Wipeout 3 on abandonne ou si on a des checkpoints. Ce sera peut-être ça la différence avec le mode classique. On peut recommencer donc la course, quitter la partie, on va quitter la partie. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un mode tournoi. On fera le mode défi après, enfin on testera un petit peu. On va faire dans le mode Wipeout normal, puisque c'est le mode du jeu. On va garder le Venom, j'aime bien, je trouve que c'est plutôt sympa dans le sens où ça va pas trop lentement et à la fois pas trop vite, puisqu'on ne connaît pas forcément les circuits. Par contre, je vais quand même prendre, tant qu'à faire, quelque chose avec un bouclier correct. Je vais peut-être prendre... Je vais prendre le Gothekit, par exemple. Bon là j'ai totalement loupé mon départ, vous l'aurez compris. Petit effet de pluie d'ailleurs, bon évidemment ça n'aura aucun impact sur la conduite hein, puisque les vaisseaux ne touchent pas absolument pas le sol, donc c'est sans impact. Alors un petit effet de réverb quand on est dans un tunnel. Et vous avez vu, donc il nous reste 26 secondes pour passer jusqu'au prochain checkpoint. Alors il y a quelques petits bugs, vous l'avez vu là par exemple, on est passé un petit peu à travers la texture. Voilà, c'est quelques petits bugs, mais vraiment c'est pas des bugs qui vous empêchent de prendre du plaisir à jouer à ce jeu, loin de là. C'est pas trop gênant. Voilà, c'est un jeu que je pourrais comparer un peu à Ridge Racer 4 dans la patte graphique de certaine manière. Même si c'est pas du tout le même éditeur, hein, puisqu'ici on est avec Psygnosis. Alors que Ridge Racer, vous le savez, c'est Namco. Ah. Alors là, je suis allé dans une sorte de porte rouge, je sais plus ce que ça fait.
Ah oui, ça fait ça, ok. Alors j'aime ça un petit peu, histoire de vous laisser un petit peu l'ambiance du jeu. Alors là, faut que je fasse attention parce que niveau bouclier, je vais commencer à être un petit peu critique. Donc là, j'ai un petit bouclier, ça me permettra d'être tranquille au moins temporairement. Et en plus, je vais récupérer un peu de son énergie, c'est parfait. Et je lui envoie un petit... Alors vous avez vu, je pouvais passer sur la droite aussi, hein. Il y a différents embranchements des fois. C'est vrai que quand on connaît bien, bien les tracés, on va avoir un certain avantage puisqu'on va pouvoir... Oh ! Regardez, ça nous a arrêtés tous. Et du coup, j'ai perdu deux places dans l'histoire. Aïe aïe aïe, quel dommage. On a... Bah du coup, on a fini combien? Je ne sais pas, 0. On a fini 6ème. Ce qui est mauvais, parce que finalement, j'aurais pu terminer dans les points un peu plus haut. J'aurais pu terminer 4ème. J'ai mal joué mon coup. Donc, on va faire le deuxième round à Stanza Inter. J'ai du mal à lire cette police d'écriture. Là, c'était moyen aussi le départ, peut-être un peu moins que tout à l'heure. Et je vais vous laisser profiter un petit peu du son du jeu. Alors on est que 8, hein, j'ai oublié d'en parler quand même. On n'est pas 12. Faut aussi faire attention à l'autopilote. Parce que l'autopilote a tendance un petit peu à vous, une fois qu'il se désengage, à vous mettre un petit peu dans la panade. Il suffit qu'il vous sorte d'un seul coup dans un virage. Et vous prenez le mur. Donc c'est les checkpoints, hein, au passage, les petites lignes bleues qui traversent la route. Ah, là j'ai échoué, j'ai pas réussi à toucher. Aïe. Oui, on peut quand même un petit peu, avec une bonne trajectoire... J'aurais pu aller à gauche cette fois-ci, finalement je l'ai pas fait. Aïe 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 aïe. Alors, j'ai pas réussi à le toucher. Un petit checkpoint. Je commence à avoir le, voilà, le bouclier un peu critique quand même. Malheureusement, j'ai pas pris l'accélérateur. Et j'ai fini 5ème, donc c'est même pas dans les points, il me semble. Si, ça fait un petit point. 2 points, donc on a 3 points. On est même pas dans le... On est même pas dans le top 4. On est totalement de l'autre côté. Même avant-dernier, hein, parce que ça veut dire que les derniers ont fini devant cette fois-ci. On va découvrir du coup le 3ème circuit. Three, two, one.
Et encore une fois, j'ai eu un départ assez catastrophique. Et quand on est parti, ils prennent une avance assez considérable. Alors il faut être évidemment malin dans le choix de... enfin l'utilisation de ces... items. Par exemple, pas utiliser forcément en boucle tout ce qui nous tombe sur la main. Par exemple, j'ai un bouclier, si j'ai une droite, ça ne sert à rien utiliser, je vais plutôt attendre. Ouais, c'est pas toutes les mines devant, c'est parfait. Plutôt attendre que le... d'être dans un endroit un peu compliqué pour mettre le bouclier, par exemple. Bon, là j'ai des roquettes, mais ça va pas me servir à grand chose. Et vous voyez, quand on est par exemple sous le coup d'un bouclier ou quelque chose qui nous rend invisible, on ne peut pas utiliser un autre item à la fois. On est obligé de faire attendre que le premier item se soit activé. Et alors là, je pourrais poser des mines, mais je peux aussi annuler avec la touche carré en fait l'arme que j'ai en cours. Là, je peux dire, bon voilà, l'arme je la jette, je l'utilise pas. Parce que bien sûr, si on possède une arme devant, eh ben on va pas pouvoir en ramasser une deuxième derrière. Donc des fois on se dit l'arme ne nous plaît pas, autant qu'on économise pour avoir une autre arme un peu mieux après. Bon là du coup je suis en autopilote. Alors on est troisième, c'est pas mal. J'ai touché un petit peu, ouais, c'est bon, le jeu a considéré que je l'avais touché. Alors qu'en fait j'ai pas spécialement... mais bon. Bon, bouclier, on est pas mal. On est la barre en bas. On est ok. Donc pour l'instant, on va continuer. Et on a terminé deuxième. Voilà, c'est un petit résultat sympa. Il va me permettre de marquer quelques points. Alors, notamment au classement, on n'est pas bon hein, pour le moment. On est juste remonté d'une place. On a 9 points. On va voir la quatrième course. Alors, bien sûr, vous allez pouvoir normalement déverrouiller des circuits et des vaisseaux. Ce qui reste le but dans le jeu. Après, c'est pas le jeu le plus long du monde pour autant. Hein. Ah, j'ai pris un départ pas trop mal. Enfin, je dis pas trop mal, mais l'IA est quand même bien plus forte que moi. Ah ouais, je ne change pas trop de vue. Une fois qu'on a une vue, on hésite un petit peu à la modifier. Parce qu'évidemment, une vue plus proche sera beaucoup plus spectaculaire. Mais on a peut-être un plus de mal à anticiper, alors qu'une vue un petit peu reculée, des fois on a un peu plus de visibilité. Voilà, je me suis pris un beau carton. Hop là, double saut, ça c'est pas mal. Regardez, hop là, on a un enchaînement. Alors par contre, je sais pas comment le prendre celui-là. On a quelques petits effets sympas. Vous voyez par exemple, on avait les petites fleurs des arbres qui tombaient justement des arbres. Ah, bon là j'ai fait n'importe quoi, j'aurais dû l'utiliser un petit peu plus tard, par exemple ici ça aurait été parfait. Alors il me propose de rentrer au pit, pour ça on va pas le faire parce que notre armure est correcte, on est même très très bon. Donc on va la laisser comme ça. Alors évidemment j'ai une bonne armure, mais ça veut dire que je n'ai pas non plus une vitesse extraordinaire, même si le phaser je crois qu'est encore plus long. Et il m'a piqué l'item. En allant dessus légèrement avant moi. Quand vous entendez warning, bah, vous faut comprendre que derrière, peut-être qu'on va vous envoyer un missile ou ce genre de truc. Là, il m'a piqué l'item encore. Heureusement qu'on n'est pas resté derrière lui. Ah, j'ai pas réussi à le prendre bien. J'ai fait bouchon. Ce qui me permet de rester en tête. Pour le moment, c'est pas mal. C'est peut-être notre... mauvaise trajectoire. Oui, c'est missile, pardon. Je sais pourquoi j'utilise maintenant. Ça, par contre, l'autopilote, si j'étais malin, je l'aurais utilisé là où j'ai eu du mal, enfin dans la section où j'arrive pas justement à ne pas prendre le mur. Alors, magma, je sais pas ce que c'est.
Ah oui, magma, je crois que ça tue le... Ça tue un vaisseau en une fois. Ça permet d'éliminer son adversaire. Bon, je suis plus à l'intérieur, j'ai quand même tapé, mais j'ai perdu moins de temps. Et peut-être qu'on va gagner notre première course dans le jeu. Ça serait bien. Vous avez vu comment on rebondit? Comment on a rebondi d'un coup. Ouais, je pose des mines pour être un peu tranquille. Ça permettra de les ralentir. Et on va finir peut-être sur une victoire. Donc 10 points dans la besace. Vous avez vu que l'écart quand même de points entre le premier et le deuxième qui est assez important. Et c'est extraordinaire parce qu'on finit premier pour deux petits points alors qu'on était dernier. Ah bah voilà, bah écoutez, on a réalisé quelque chose d'assez concluant finalement, on gagne le tournoi. Voilà, et du coup, bon bah c'est très bien, mais on a rien de plus. Le mode défi, donc on va juste voir ce que c'est. On va faire un défi arme par exemple. Le défi 1. Donc, il faut faire 3, 2 ou 1 kill sur le circuit de Porta Bora avec la classe Vector. Donc, il va falloir plutôt s'occuper de pas forcément gagner la course, mais de tuer des vaisseaux. On est avec le faisceau. Ah là, je pense que j'étais presque peut-être en position d'avoir un boost. Bon, on est très très lent. Roquette. Alors on va essayer de tuer des gens, on va tuer des vaisseaux. Et pour les tuer, il faut évidemment. Ouais, il faut essayer de. Alors c'est pas avec l'autopilot que je vais pouvoir faire grand chose. On a eu un petit earthquake, ça c'est bon. Ça me sert à rien, on va le retirer. Bon, le shield, pourquoi pas. Non, ce qui m'importe vraiment... Ah, je l'ai retiré. Quel débit. J'ai retiré l'arbre au lieu de l'utiliser. Bon, ils sont assez lents. On est vraiment dans une classe... Ah ben voilà, on a éliminé un opponent. Ah, on a éliminé un deuxième. Alors si je gagne en plus... Le temps qu'il passe. Là j'ai encore un quake, je pourrais limite utiliser. Mais bon, on va plutôt se concentrer sur le dernier tour. Et on va donc finir notre premier défi. Alors je pense que j'aurais peut-être mieux que le... Ah, j'aurais eu l'or, bon. Et en fait, j'aurais dû attendre un petit peu, j'aurais utilisé le quake, enfin le... Quand j'appelle le quake, c'est évidemment en anglais, c'est le tremblement de terre. J'aurais dû attendre un petit peu qu'on me dépasse et réutiliser le tremblement de terre derrière et j'aurais peut-être eu une médaille d'or. Et donc là, on va avoir un défi suivant, il va falloir éliminer d'autres... Dans d'autres circonstances, les autres vaisseaux. On va quitter la partie. Et on va faire un défi en mode... Ouais, peut-être tout... Défi course, par exemple. On va voir le premier défi. Bah, le premier défi, c'est de finir soit premier, soit deuxième, soit troisième. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas tellement un défi, ça, puisque pour gagner la course, c'est quand même la base de Wipeout. Ah, j'ai pris un super départ. Alors j'ai pas compris pourquoi je l'ai pris à ce moment-là, mais bon. C'est un peu mieux passé. Donc là, il faut que je gagne la course, tout simplement. Donc on va s'y atteler. Et là, ça va pas marcher, par contre. Donc là, je vais prendre toutes les mines au fur et à mesure, c'est super. Allez, un petit peu... Oïe, aïe, aïe. Ouais, on est la classe la plus lente, hein. Pour le moment on est dans le mode de jeu le plus lent, et ça se voit, hein. On est vraiment beaucoup moins rapide.
Là, on se traîne. Hein. Je pense que si vous commencez le jeu vraiment, ne vous attardez pas sur le premier mode. Faites vraiment le mode moyen pour commencer parce que c'est pas le plus intéressant. On a une sorte de coéquipier avec le même vaisseau. Bon, là, j'ai vraiment été mauvais. Je pense qu'il y a moyen vraiment de les rattraper. Enfin, en tout cas, j'espère. C'est pas avec des mines que je vais aussi vous rattraper, mais bon. Voilà, ça c'est bien. Alors, si vous êtes malin aussi, évidemment, le Quake vous l'utilisez surtout, surtout dans le dernier tour. Puisque dans le dernier tour, c'est là où potentiellement les vaisseaux ennemis ont le moins d'énergie. Et du coup, vous pouvez faire des kills. On est second. Et du coup, on a encore l'argent. Bon, c'est pas mal. On va voir le ralenti. Enfin, j'aurais voulu voir le ralenti. Écoutez, on va s'arrêter là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était donc Wipeout 3 avec un joli plantage. Ce n'est pas prévu. On devait s'arrêter là, mais bon, c'est bien. Donc un jeu fort sympathique, évidemment, qui a encore pas mal de vie, comme n'importe quel jeu de play de l'époque, mais qui, franchement, techniquement parlant, fun au niveau du fun, c'est quand même sympa. Le maniement est quand même bien fait toujours, il a même été amélioré par rapport aux toutes premières versions. C'est vraiment un entre-deux, avec les versions du début et les versions un peu plus next-gen façon PS2. Donc est-ce que je vous conseille, alors c'est pas le meilleur des wipeouts, loin de là, il y a des wipeouts un petit peu mieux. Je trouve que le fusion par exemple est un peu mieux puisqu'on peut améliorer ses vaisseaux, là on ne peut pas. On a juste 3 classes de vitesse de base. Mais bon, c'est un parti pris, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.